Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Spa-Francorchamps pour la Délire SB. Alors, normalement, si j'ai réussi, vous aurez dû voir une course précédente où j'ai réussi des beaux dépassements. Hein. Je vais pas me la cacher, mais j'ai fait de la. Voilà, 13e, c'est de la merde. Je démarrais 15e. Mais mon PC a crash. Il a fait un freeze. Donc, du coup, j'espère que je pourrai récupérer. S'il n'y a pas, bah, c'est que j'ai pas pu récupérer. Vous verrez celle-ci. On est parti pour 3 tours sur le circuit de Spa en GR4. Pas d'arrêt obligatoire, on roule en dur. J'ai choisi la McLaren 650S, c'est la meilleure. Tout le monde prend celle-là, ça va être monotype. Donc, course tout à fait banale, très courte, où il n'y a pas réellement de stratégie à avoir. Donc, on va essayer de faire au mieux. J'ai amélioré mon chrono en 1:30-200. Je sais que je peux aller plus vite. On est là sur le live. Et je sens que je peux aller plus vite parce qu'à chaque fois que j'améliore, je me crache. Mais les 1:20, les 1:29, les 1:30, 2:30, les 2:29 sont largement possibles pour moi. Bref, on va voir ce qu'on va faire sur cette course en espérant que tout se passe bien. Bon, on est parti. Je démarre 13e. J'ai amélioré mon chrono, mais je peux faire largement mieux parce que j'étais largement en avance. On est parti pour. Attendez, je règle ça. Pour 3 tours encore une fois, il y a Tra-Tra-Tra, l'anglais qui est là. Ceux qui suivent Gran Turismo connaissent bien. Il y a Parbuff qui est devant moi. L'Autrichien Duc qui est derrière moi. Mettez le son dans les oreilles pour être en immersion. On est parti, je vais encore démarrer en pleine chicane. Alors, on m'a dit dans le chat qu'on pouvait je passais mes vitesses trop loin, etc. Donc du coup, c'est ça qui m'a aidé à améliorer mon chrono, mais je peux descendre. Bien joué le duc là. J'ai ralenti un peu parce que on sait jamais. Parti derrière. Il m'a pas laissé la place, hein. Heureusement que j'ai ralenti, hein.
C'est embrouillé dans les vitesses là. Ça me saoule, c'est un truc de malade. J'y arrive plus à rouler, quoi. Putain, ça me gave là. Bon, bah voilà, 11e, je gagne 2 positions, vous avez eu la course. C'est de la merde. Course. Pff, encore une fois, démarrer dans le fond de la grille, c'est perdant parce que en 3 tours, c'est difficile de remonter. Je gagne quand même point positif durant de pilote. Puis voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre. Je me suis rattrapé un peu vers la fin, mais le début de course a été chaud. À un moment donné, t'as l'autre devant, il me laisse pas de place. Je voulais le doubler, mais il me laisse vraiment pas de place. Heureusement, j'ai eu de la chance que certains se sont crashés. Donc, c'est ça qui m'a fait gagner des places. Ah, bref. Course, encore une fois, à oublier. Vous verrez encore peut-être popper. Ça dépend si je suis motivé à en refaire une ou pas. Parce que je sens que je peux faire un truc. Hein. Je peux améliorer mon temps et que je peux faire quelque chose. Et ça me gave. Voilà, ça me gave vraiment parce que j'arrive pas à retrouver ce niveau que j'avais avant. Après, peut-être que les gens sont devenus beaucoup plus rapides, hein. Et que c'est moi qui ai un niveau faible maintenant. C'est possible aussi. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me suivre là sur Twitch et sur YouTube. De toute façon, voilà, vous êtes notifiés quand je live. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.